victoire grâce à Rose et Rona Hartner. Alors, il y a toute dernière chanson de on Rose. On y tient, hein, Sombre Con. Ah bah oui, le fameux Sombre Con. Ouais. C'est la dernière qu'on entend sur les radios. Ouais. Cette chanson mystérieuse que tout à l'heure, vous nous avez promis d'expliquer. Alors, c'est quoi cette chanson Sombre Con? Avant qu'on l'écoute, qu'on en écoute un extrait. Ah, bien, bien. Ça, c'est pour Jean-Luc Lemoine, ça. Monsieur Moscovici. Je vais vous dire pourquoi. Il s'entraîne parce que l'élection du premier secrétaire au Parti Socialiste, ça va se jouer dans un mouchoir. Oh, voilà. Bien, bien, bien. Il faudra que d'ici là, je retrouve ma voix. Je vous avais dit que j'avais une grosse crème. Et des voix, même, surtout. Des voix, mais wow. Pour ça, il faut la voix, la sienne. Sombre Con, alors. C'est beau. Sombre Con. Cette chanson fait partie d'un album entier qui se compose de 12 titres, aujourd'hui, et qui raconte un petit peu les différentes étapes par lesquelles j'ai pu passer après une rupture très douloureuse. Donc évidemment que, enfin je suppose que tout le monde a dû vivre ça à un moment donné, qu'évidemment il y a un moment, que ce soit une heure, un jour, une semaine, où on a l'impression que l'autre est un sombre con. Mais c'est pas du tout, ça, disons que c'est pas un truc qui perdure dans le temps, quoi. Ouais, très vite on se dit qu'il est peut-être pas si con que ça et qu'on a envie qu'il revienne. Mais déjà sombre con c'est beaucoup plus chic que pauvre con, quoi. Il n'y a pas encore de clip pour cette chanson. Mais il n'y en aura pas parce que justement ça ne s'image pas. Alors, on a quand même tenté, pour qu'on écoute un peu un extrait de cette chanson qui passe sur les radios en ce moment, on a fait un mix entre des images de vous en live sur scène et le son extrait de cette chanson. Bien, il y a des images de scène. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, son à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Rose à l'Olympia le 18 juin. Ça fait partie des chansons qui étaient filmées et qu'on retrouvait sur l'édition collector. Mais il paraît qu'on n'en trouve plus d'édition collector. Tout a été vendu déjà, en fait. Alors, j'ai récupéré l'album original, le vrai. Voilà, il n'y a plus d'images, mais bon, voilà, tant pis, il faut aller voir Rose sur scène. C'est mieux, c'est même mieux. Ça tombe bien, parce qu'il y a toute une tournée et elle passera à Paris le 18 juin à l'Olympia. Je reviens sur vos débuts dans un instant, mais je fais une petite interview croisée parce que Rona Hartner, c'est pas tout à fait de la musique tzigane, c'est pas tout à fait c'est pas funky, c'est pas... J'arrive pas à définir ce que vous faites. C'est en fait un voyage intérieur un peu. J'ai pas eu envie de faire la touriste, de me balader dans des pays. J'ai voulu, de l'intérieur, explorer plusieurs univers musicaux. Comme tu veux. Musicaux, voilà. Et du coup, je me suis permis toutes les libertés de chanter dans l'espagnol, composer quelque chose sur Frida Kahlo, de chanter du gospel en anglais, de chanter en sénégalais sur un titre qui est reggae, de parler tzigane, de parler roumain, voilà. Je parle plusieurs, au moins 8 langues sur l'album. J'ai envie de voyager de mon intérieur vers les autres plutôt que d'aller acheter un billet et voyager, partir. Il y a 8 langues sur l'album. Revenir chèvre. Vous parlez combien de langues en tout? Sur l'album, je parle 8, mais c'est vraiment, j'ai envie d'apprendre des mots et exprimer certaines émotions que dans une autre langue. Vous, ouais. Quand vous avez débuté, vous chantiez avec un groupe en Roumanie au départ. Oui, qui même s'appelle... plusieurs groupes. Oui, en Roumanie, j'avais 3 groupes en même temps. Un groupe underground, où on avait 3 personnes qui nous entendaient, qui s'appelait Contigi. Un groupe qui s'appelait Terente et Didina, avec lequel j'ai... Tzigane et grec, comme ça. Vous avez chanté devant Bill Clinton, c'est vrai? Oui, j'ai chanté devant Bill Clinton le 9 mai 97. 17, oui. C'était le premier président démocrate de Roumanie? Voilà, le premier président américain qui rentrait après la révolution chez nous, nous rendre visite. Et c'était, enfin, on était occupé pour 4 ans par les... Enfin, occupé. On avait à la présidence des démocrates pendant 4 ans qui l'ont invité et il est venu. Alors, j'étais choisie pour chanter pour lui. Vos parents étaient artistes, hein. Vous êtes oui. Né dans une famille ouais. D'artistes.
Tous les deux étaient peintres, ils étaient musiciens et ils faisaient du théâtre tous les deux. Ah, ils vous ont tout fait faire quand vous étiez gamine, vous avez tout appris. Oui, oui, j'ai fait une année de violoncelle, j'ai appris, j'ai fait de la peinture, de la sculpture, j'ai eu 12 profs à la maison. Et vous avez, je crois, été reçue comme comédienne à la Comédie Française Roumaine, alors je ne sais pas comment on appelle ça ouais, là-bas. Oui, le Théâtre National de Roumanie, de Bucarest. J'étais là-bas 7 ans. J'ai travaillé là-bas. Vous étiez donc une vraie vedette en Roumanie? Oui, je suis toujours une vraie vedette. Oui, je suis allée là en janvier. On a battu tous les audimats possibles. On a tout assassiné. Toutes les émissions qui étaient présentées depuis un mois. Je suis venue comme ça et on a pu. Bang. Comme ça. Yes. Vous, vos parents n'étaient pas artistes du tout, Rose. Non, amateur un petit peu, mon papa. Ah, papa agent immobilier. Agent immobilier, mais qui joue de la guitare. Il chantait en faisant visiter les appartements. Voilà, exactement. Non, il chante, il invente les paroles des chansons. Et une maman décoratrice, c'est un peu artistique quand même. Aussi, ça. Ouais. Voilà, finalement. Vous avez d'abord étudié le droit à Nice, donc fait des études, même été institutrice, mais institutrice sur la région parisienne. Oui, là, dans le 19e, ouais. C'est-à-dire que vous êtes montée à Paris dans l'idée de faire artiste ou dans l'idée d'être institutrice? Dans l'idée de monter à Paris. Dans l'idée de monter à Paris, pour quitter la région niçoise. Pour partir et pour venir me joindre à quelques amis qui festoyaient ici. Vous composez, il faut quand même le dire. Vous écrivez vos textes et vous composez aussi. Oui. Ouais, c'est quand même assez rare pour le dire. Interprète, auteur, compositeur. Vous avez fait écouter vos maquettes à une amie qui travaillait chez un producteur. C'est comme ça que ça a démarré? Chez un éditeur, c'est comme ça. Voilà. Là, on vous a proposé d'enregistrer. Tout de suite ? On m'a proposé de rentrer en studio quelques mois après, et comme je n'avais que 2 chansons à mon actif, et ben j'ai composé tout le reste sous le signe de cette rupture. Alors vous dites, grâce au succès de mon premier single, les concerts ont vite été complets, c'est presque une surprise pour vous. Vous dites même, l'attente est parfois un peu forte, j'ai peur de les décevoir, ces gens qui me connaissent à peine, qui viennent me voir, qui remplissent les salles. Ça vous fout la trouille ? Ça commence à aller mieux, mais ça me foutait en tout cas fichtrement la trouille quand je me dis que ces gens-là ils ont une attente particulière, peut-être que d'avoir vendu autant d'albums, que enfin je sais pas, et peut-être qu'ils se disent qu'ils vont voir une artiste complète et qui fait de la scène depuis 10 ans alors que ça fait que 6 mois que je suis sur scène. Évidemment que ça fout la trouille. Ouais. C'est quand même allé très vite pour vous, mais il y a déjà une petite déception. Je parle pas de la rupture et de l'amour qui revient. Je parle des victoires de la musique, puisqu'on vous avait dit, évidemment, et c'était logique, depuis plusieurs mois, vu le succès, on avait dit tu vas être nommé aux victoires de la musique, et puis là, vous remuez couteau dans la plaie. Non, mais sérieusement, ça a été triste pour vous? C'était pas triste, c'était juste un petit peu décevant. Ouais, peut-être que les personnes qui m'entouraient n'auraient pas dû m'en parler comme si c'était fait. Mais évidemment que les victoires de la musique génèrent chaque année des déceptions et des injustices. Et peut-être que j'en ai fait partie, je sais pas. C'est à vous de voir. Ah bah écoutez, en tout cas oui, certainement des gens qui ont été nommés qui n'auraient peut-être pas dû l'être. Mais non, ça c'est pas ça que je veux dire, non. Ah bah forcément. Bah oui, mais non, c'est pas ça en tout cas que je veux dire. Il y a quelqu'un qui a volé ma place, oui. Ouais, ouais. Ce petit jeune là qui s'appelle Michel Polnareff par exemple. La tournée de l'année, non, mais c'était pas moi avec mon petit Dijon. Pourquoi c'est lui? Avec le petit Zénith de Dijon. Le petit Zénith de Dijon. Écoutez, l'essentiel c'est que tous les Parisiens soient à l'Olympia au mois de juin prochain, 18 juin à l'Olympia, c'est l'appel de Rose. Voilà, c'est facile comme ça pour retenir la date, l'appel du 18 juin, Olympia pour Rose. Le premier album est un carton. Merci Rose. Renard, elle, ce sera le café. D'ailleurs, je suis en train de me demander une chose. Bon, vous n'avez pas amené Martine avec vous Ah non, dommage, il n'y en a pas une qui traîne. Ah bah Martine a gratté. Parce que s'il y a une guitare qui traîne, on va terminer l'émission en chanson. Il n'y en a pas. Renard, qui peut improviser, faire un bof avec vous sans problème, ouais. Toutes les deux, vous connaissez à peine, mais on peut faire ça. En attendant, je rappelle que Renard Hartner, elle, sera au Café de la Danse. Le Café de la Danse, c'est le 13 mai, mais que l'album... C'est pas moi qui l'ai amené, en tout cas. Hein, l'album est dans les bacs. J'ai demandé Martine, parce que Martine, c'est le nom de votre guitare. Ouais, hein, ouais, c'est... Oula, c'est à qui, cette guitare? Ah, ça, c'est Marcel. C'est vachement... Ah, on a caché vous, la marque vous... et tout. J'essaie de voir un peu sur quoi je joue. Vous, votre pseudo Rose, hein, c'est à cause du film The Rose. Hein. Ouais. C'est vrai, à cause de Janis Joplin. Janis Joplin. Bon, alors, vous voulez une chanson de Janis Joplin? Ben, est-ce que vous connaissez une chanson de Janis Joplin? En Londres, want you by me? Want you by me?
a color TV. Counting for dollars, trying to find me. I wait for delivery, each day until free. So hold on, won't you buy me a color TV? Hold on, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Oh, please don't let me down. So prove that you love me, and buy me a throne. So, oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a throne? Rose et Renard Kner, ils sont formidables. Toutes les deux, on termine en chanson. Rose, à l'Olympia en juin, Renard Kner en mai au Café de la Danse. L'album s'appelle Rose, c'est tout simple. Renard Kner, l'album, c'est début avril. Nationalité vagabonde. Bravo.